Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Et ici, nous allons continuer avec les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 101 sur le présent progressif. Le présent progressif, c'est le présent qu'on utilise au moment actuel pour montrer une progression, pour montrer qu'il y a une progression, que c'est progressif. C'est une action, enfin c'est un présent qui représente une action qui dure dans le présent, que actuellement on fait, que l'on fait dans le présent. Donc une action longue, qui dure, qui est présente. Donc on va l'utiliser avec l'expression être en train de, et donc c'est ici, c'est le verbe être qu'on va conjuguer au présent. Et on va mettre un infinitif, et l'infinitif, ça va être l'action qu'on va être en train de faire. Ici, en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas pour la prononciation. Et j'ai mis aussi une petite liaison pour ce qui se prononce ensemble, comme ce qui est lié, ce qui se prononce tout ensemble. Donc, le présent progressif avec « être » en train de, une action qui se déroule, une action qui a lieu, donc qui est longue. Donc, exemple, je suis en train de manger. Donc, ça veut dire actuellement, je mange et je continue à manger. C'est long. On ne mange pas en une seconde, on mange en plusieurs minutes. Je mange. Donc, je suis en train de manger. C'est l'action qu'actuellement je fais, je mange. Tu es en train de parler. Toi, tu es en train de parler. La personne, elle parle. C'est une action qui est longue. Donc, la personne est en train de parler. Il est en train de danser. Donc, la personne, elle danse. Elle ne danse pas une seconde. Elle danse plusieurs minutes, plusieurs heures. Elle danse. Elle est en train de danser. Nous, par exemple, nous sommes en train de chanter. Les personnes qui chantent, ce n'est pas une seconde, c'est plusieurs minutes. C'est une action longue. Donc, nous sommes en train de chanter. C'est pour exprimer qu'ils sont occupés à chanter, par exemple. C'est une action qu'ils font actuellement. Donc, nous sommes en train de chanter. Vous êtes en train d'étudier. Pareil, une action longue. On étudie. Donc, actuellement, vous êtes en train d'étudier. Ils sont en train de se promener. Donc ici, par exemple, on a une voyelle, donc le E, on l'élimine et on met apostrophe, d'étudier. Ici, on a un verbe pronominal, donc on le laisse normal à l'infinitif, se promener. Ils sont en train de se promener. Donc ils se promènent, ils marchent, ils se promènent. Donc ça dure longtemps et actuellement, c'est l'action qu'ils font, se promener. Donc, être en train de, c'est pour insister sur le fait que c'est une action qui est longue, actuelle. C'est l'action que l'on fait tout de suite, actuellement. Donc, je le relis pour la prononciation. Je suis en train de manger. Tu es en train de parler. Il est en train de danser. Nous sommes en train de chanter. Vous êtes en train d'étudier. Ils sont en train de se promener. Voilà, donc, pour le présent progressif, hein, l'idée d'une continuité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.